Il n'y a pas longtemps, je me suis rendu compte de l'existence d'une petite fleur blanche que j'avais déjà vue 1000 fois sans y faire attention. Je ne sais pas trop comment ça se prononce, mais je tente ma chance. C'est Diplotaxis erucoides, qui est aussi appelée roquette blanche, roquette sauvage ou fausse roquette. En fait, en plein mois de décembre, je me suis aperçu que j'avais beaucoup d'abeilles dans un endroit très ciblé du potager, justement là où poussent les Diplotaxis. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que c'est une des rares fleurs qui fleurit durant l'hiver. Du coup, j'ai cherché à en savoir plus sur elle. Son nom, Diplotaxis, vient du grec. Dans Diplotaxis, on trouve diplos, qui signifie double, comme dans Diplodocus, et taxis, qui signifie rang, ordre, comme dans le mot taxinomie par exemple. Et en effet, quand on observe les graines qui sont contenues dans les fruits, on voit bien qu'elles sont rangées en deux rangs, comme un épi. Et pour finir avec cette histoire de dinosaure, le mot diplodocus est composé du grec diplos, pour double donc, et de docos, pour poutre. Ça décrit assez bien l'aspect de la bête. On sent bien que c'est un pâté avec une poutre de chaque côté. Quant à erucoides, c'est pour dire qu'elle ressemble à Eruca sativa, la roquette cultivée. Pour l'étymologie de Eruca, c'est un peu plus flou pour moi. Ça vient du latin qui peut vouloir dire brûler, peut-être pour la saveur piquante de la plante. Mais Eruca, ça veut aussi dire chenille. Du coup, je sais pas trop. Diplotaxis, c'est une petite plante qui fait souvent entre 30 et 50 cm de haut. Ses fleurs ont 4 pétales blancs, parfois striés, et 4 étamines jaunes. Elle fait partie de la famille des brassicacées, comme le chou, le colza ou le radis par exemple, ou comme la roquette. On l'appelle fausse roquette parce que les deux se ressemblent vraiment. Ce qui caractérise Diplotaxis erucoides, c'est qu'elle est la seule de son espèce à avoir des fleurs blanches, alors que toutes les autres Diplotaxis ont des fleurs jaunes. Et pour la différencier de la roquette cultivée, on le voit surtout aux siliques et aux feuilles, qui sont très allongées, alors que chez la roquette cultivée, ils sont plus courts et les feuilles sont plus arrondies. Mais bon, c'est pas hyper évident non plus. Et aussi, la période de floraison peut nous donner une indication. Cette plante était apparemment présente dans les contours de la Méditerranée orientale et elle n'a commencé à arriver en France que assez récemment. En tout cas, les Flores et autres revues botaniques du siècle dernier parlent du fait qu'elle aurait subitement colonisé la Provence à partir du milieu du 19e, surtout dans les vignes. On a un petit paquet de mentions dans les revues vétérinaires parce que si elle est massivement mangée par un mouton, elle s'avère toxique, voire mortelle. Or justement, les troupeaux venaient facilement brouter dans les vignes après les vendanges, et on a vu des problèmes apparaître quand la Diplotaxis avait remplacé toutes les autres adventices. Surtout que la toxicité est principalement concentrée dans les fleurs et les graines, et que justement elle fleurit en hiver. Même si les cas ont été apparemment assez rares et vite recensés, certains se sont beaucoup inquiétés, comme on peut le voir dans le journal de pharmacie et de chimie de janvier 1898, où Monsieur Planchon propose carrément d'arracher tous les pieds de Diplotaxis de toute la France pour la faire disparaître à jamais. Car je cite, « Cette mauvaise herbe risque de devenir bientôt un véritable fléau, non seulement pour les bestiaux, mais encore pour les cultures. » Bon, apparemment, personne n'était motivé pour faire ça. Quoique... Petite parenthèse, la roquette cultivée, son espèce c'est Eruca sativa, famille Brassicacée, genre Eruca. La fausse roquette c'est donc Diplotaxis erucoides, famille Brassicacée, genre Diplotaxis. Elles sont pas du même genre et elles sont pas de la même espèce. Du coup, au cas où vous voudriez conserver la pureté variétale de votre roquette, soyez rassurés, la fausse roquette ne viendra pas l'hybrider. Par contre, il existe d'autres Eruca qui, elles, peuvent s'hybrider avec la roquette cultivée. Comme chez toutes les brassicacées, les fruits sont ce qu'on appelle des siliques, c'est-à-dire des fruits déhiscents. Déhiscents, ça veut dire qu'ils vont s'ouvrir tout seuls pour libérer leur contenu. L'exemple le plus connu, c'est la lunaire annuelle, qu'on appelle aussi la monnaie du pape, et qui est aussi une brassicacée. Avec la lunaire, on voit en gros ce qui se passe en tout petit dans la roquette. On voit bien qu'on a deux parois externes qui se détachent, et dedans, une cloison centrale qui sépare deux loges où se trouvent les graines. Dans le fascicule des conditions de levée de dormance des plantes bio-indicatrices, de Gérard Dussert, on voit que c'est une plante qui se développe facilement dans les sols lessivés et asphyxiés par compactage. En gros, c'est une des plantes qui se développe dans les sols à problème, donc c'est pas étonnant de la voir dans les friches, les potagers ou les vignes. C'est une plante mellifère, ce qui signifie qu'elle produit une bonne quantité de nectar et de pollen,
qui peuvent être récoltées par les insectes mellifères et notamment les abeilles mellifères, qui sont donc les abeilles qui vont produire du miel. Donc typiquement, Apis mellifera, l'abeille domestique. Mais pas que. Donc en fait, quand j'ai percuté que j'avais ça dans le potager, je me suis dit que ce serait bien d'en avoir à semer comme engrais vert l'année prochaine. Moi, de mon côté, j'ai mis du seigle et de l'avoine à l'automne, mais comme vous pouvez le voir, c'est pas foufou. Alors que cette petite roquette, elle a poussé sans aide, toute seule. Et donc j'aimerais bien en avoir dans les languettes de culture. J'ai regardé si je pouvais acheter des graines, mais j'en ai pas trouvé beaucoup et puis c'était assez cher. Du coup, je me suis simplement résolue à récolter les graines moi-même. Comme pour la roquette ou les autres fruits de ce type-là, les fruits vont mûrir au fur et à mesure en partant du pied de la plante. Et une fois qu'ils sont mûrs, ils s'ouvrent et les graines tombent. Donc il faut pas trop rater le coche pour la récolte. Pour récolter, on peut couper les plantes avant que les fruits ne soient totalement mûrs et puis les suspendre dans un tissu ou les mettre dans un seau, le temps que ça finisse de mûrir et de sécher. Mais je trouve que le plus simple, c'est de venir à la fin de la vie de la plante, donc c'est un moment où elle est toute jaune et elle a des siliques tout le long de la tige. Dans ce cas, je la coupe même pas, juste je secoue les tiges dans un seau, et voilà. Bon, j'espère que vous avez apprécié de faire connaissance avec cette petite plante sans prétention.